Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un big haul Action et Nose comme d'habitude pour pas changer. J'ai voulu me restreindre mais c'était impossible, voilà, il y avait trop de tentations. Donc je vous fais voir tous mes petits achats, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me faire péter les likes, franchement je suis super contente pour ma dernière vidéo. Voilà, vous m'avez fait péter les likes et je compte sur vous aussi pour que cette vidéo aussi ait pas mal de j'aime quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. On commence tout de suite par Action avec du scrap. Donc là j'ai trouvé quand même pas mal de choses aussi encore. Voilà, j'ai fait des craquages. Donc je me suis pris un petit rouleau en dentelle. Elle est comme ceci. Elle est franchement... Enfin, ne regardez pas mes doigts. J'ai du eyeliner en fait sur mon doigt. Hein. Bon, enfin bref. Oui, je me suis maquillée. J'espère que ça vous plaira aussi ce petit maquillage. J'ai tenté un nouveau make-up. Voilà, un peu coloré. Et franchement, moi, personnellement, j'adore. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo parce que voilà, il y a d'autres bons plans. Donc voilà, on continue avec le scrap. Cette petite dentelle, elle est magnifique. Ça coûtait 79 centimes. Donc franchement, c'est raisonnable. Voilà, on va continuer par des stickers à paillettes et brillants. Ils sont vraiment très jolis. J'ai pris ce modèle-ci. Vous pouviez voir dans mon précédent vlog Action, enfin tour de magasin, les différents modèles. Donc si vous ne les avez pas vus, n'hésitez pas à aller regarder ma précédente vidéo. Voilà, donc j'ai pris les plumes parce que voilà, j'avais adoré cela. Je trouve très joli. Voilà. Ça, c'était 99 centimes, si je dis pas de bêtises. 74 centimes pour ces petits stickers. Donc, ça vaut le coup aussi. Ça reste raisonnable. Après, j'ai pris des fleurs. Voilà, j'ai kiffé sur tous les modèles. Les fleurs étaient à 68 centimes. Donc, j'ai pris des petites marguerites. En blanc. J'ai pris aussi des roses jaunes. Sont magnifiques. Voilà, vous aviez 12 pièces à l'intérieur. J'ai pris aussi des violettes. Ça, je ne connais pas trop le nom de ces fleurs. Mais elles sont très jolies aussi. Moi, j'adore. Voilà, j'ai quoi d'autre en fleurs? Des roses roses. Après, je me suis repris la petite collection de papillons. Voilà, je n'avais pas pris ceux en blanc. Voilà, elles sont très jolies aussi, vous pouvez les voir là. Vous en avez avec du foil, donc ils sont franchement super beaux. Et j'ai pris aussi donc ce modèle-ci en orange. Voilà. C'est très joli ces papillons, donc je les ai payés 79 centimes l'unité. Je me suis repris de la pâte polymère en rose. Voilà, parce que mes filles ont envie d'en faire aussi avec moi et comme il n'y en a pas beaucoup dans un paquet. Voilà, donc j'ai repris le modèle rose. J'ai pris le modèle en bleu. Voilà, le orange parce qu'il y avait un marron un peu plus clair aussi. Voilà. Et j'ai pris le vert. Voilà, ça c'était 99 centimes. Je pense que je prendrai les autres couleurs plus tard, petit à petit. Je regarde si j'en... Ah si, il m'en manque une. Voilà, la marron. Je me disais, j'en avais pris une autre. La marron aussi. Voilà, j'ai envie de tenter quelques petits trucs et m'exercer, voilà, sur de la pâte qui coûte pas très cher pour pouvoir faire des très jolis trucs avec d'autres matières. Donc, voilà. Après, en scrap, j'ai kiffé sur ces tampons. Voilà, les petits chats. Je les avais pas la dernière fois. Donc dans mon précédent haul, je me suis trompée, j'avais dit que c'était 99 centimes les tampons, mais en fait ils sont à 79 centimes. Voilà, ça peut arriver, je ne connais pas tous les prix, et surtout que j'avais plus le ticket juste après. Enfin, j'avais deux tickets, donc il n'était pas marqué sur celui que j'avais. Donc c'est pourquoi je ne savais pas trop. Et je ne pouvais pas trop vérifier non plus. Donc voilà, ils sont vraiment trop choux, ces petits chatons. Voilà, pour 79 centimes. Et il y avait aussi une nouveauté. J'ai pris des tampons clear cactus. Donc, ils sont franchement magnifiques aussi. Je les adore. Après, j'ai pris des stickers alphabet. Voilà, vous pouviez voir dans mon précédent vlog
les différents modèles aussi. J'ai craqué pour le modèle vert et rose. Je trouve vraiment très mignon. Les voyez comme ça. Ils sont vraiment très jolis. Et ça, c'était vraiment pas très cher non plus. Enfin, tout n'était pas très cher. Les alphabets, 89 centimes pour les alphabets, donc ça vaut le coup aussi. Donc j'ai pris deux modèles de celui-ci pour que je puisse écrire un mot complet. Et après, j'ai pris un autre modèle aussi, les noirs et blancs. Ceux-là, vous ne les aviez pas vus parce que, voilà, je ne les avais pas montrés. Ils sont tout aussi beaux. Je suis très contente, j'ai pris aussi deux modèles. Après, en scrap, ça peut être du scrap aussi. Donc, c'est rosace en licorne. Voilà, j'ai pu les trouver. La dernière fois, je les trouvais pas du tout dans mon action. Et franchement, j'ai trop kiffé. Je trouve que c'était très original. En plus, c'est un badge carrément. Donc, c'est plus pour une remise de prix. Mais en fait, je vais l'utiliser pour le scrap. Je pense que ça peut être très joli. Voilà. Donc, ça, c'était pas très cher. Je crois que c'était dans les 50 centimes. Donc, franchement, ça vaut le coup aussi. J'en ai pris deux. Au cas où, voilà, j'en manquerais ou j'ai envie de faire deux projets avec des licornes. Voilà. Après, en scrap, j'ai pris aussi ces petits patchs. Ils sont tout mignons. Voilà, à mettre sur des petites créations. Donc, c'est des badges réfléchissants. Ils sont très jolis. Donc, ça aussi, c'est une nouveauté. Vous aviez différents modèles. Mais voilà, ceux-là, ils n'y étaient pas quand j'ai filmé. Ça coûtait 68 centimes, donc franchement, ça vaut le coup aussi. J'ai pris un autre modèle avec les diamants, une petite cerise et un cœur. Voilà, je les trouve trop mignons aussi. Donc j'ai pris ces modèles-ci pour 68 centimes. Après, en scrap, j'ai pris un bloc aussi 15 par 30. Voilà, il est très joli, c'est une nouveauté aussi. Voilà, avec des petits ananas, des flamants roses. Enfin, franchement, c'est une tuerie. Moi, j'adore. Donc, vous avez des papiers à feuilles et d'autres sans. J'ai payé ce bloc 1,85€, donc ça vaut aussi le coup. Je suis très contente. J'adore les motifs, ils sont vraiment très jolis. Je craque beaucoup sur les pastèques et sur les flamants roses. Je kiffe totalement. Pour le scrap, c'est fini. On va continuer avec la déco. Voilà, j'ai trouvé une petite guirlande trop chou. Voilà, avec des flamants roses. Vous avez 20 LED. Et voilà, elle est trop mignonne. Cette guirlande, elle m'a coûté 1,49€. Donc franchement, voilà, je suis trop contente. Elle est toute mimi, donc c'est vraiment des mini flamants roses. Je vais vous faire voir. Moi, j'ai pas de pile, donc vous pourrez pas la voir illuminée, mais bon, on va faire comme on peut, hein. Donc voilà les petites LED en flamants roses, ils sont trop choux. Vous pouvez le voir dans le magasin, vous pouvez tester comment ça s'illumine. Donc voilà. Donc ça, je vous l'ai dit, le prix. Après, j'ai craqué aussi pour un mug. Voilà, cactus en couleur violet, je vous l'avais fait voir aussi. Je le trouve trop joli. Et donc ce mug, il m'a coûté 68 centimes. Ils étaient en promotion là cette semaine, donc je suis trop contente. Il coûtait beaucoup plus cher normalement. Donc voilà, il est trop fun, j'ai hâte de boire dedans. Après, côté beauté, à Action, j'ai trouvé des nouveaux pinceaux. Voilà, j'ai trouvé trop joli en fait, en bicouleur, une couleur bordeaux et rose. Franchement, moi je les adore. Je les ai pas payés très cher. 1,45€. Donc voilà, ça vaut vraiment le coup aussi. Ils sont vraiment très jolis. Et après, donc petit kiff aussi au niveau des bracelets chevilles. Voilà, vous en aviez un en velours bordeaux. Et donc j'ai totalement craqué. Je l'ai payé 99 centimes. Franchement, ça vaut le coup aussi. Vous en aviez une petite chaîne avec des petites étoiles. Voilà, c'est une nouveauté, c'est le Limited Love Body Mist. Voilà. Et il sent franchement divinement bon. Je l'ai payé dans les 2 euros.
Voilà, ça sent l'été, ça sent les bonbons. Franchement, j'adore quand c'est l'été, avoir quelque chose de sucré sur moi. Donc après, pour Action, eh bien c'est fini. Ah non, non, je dis de grosses bêtises. De grosses, grosses, grosses bêtises. Voilà, vous aviez pu voir dans mon hall que il y avait des barbecues jetables. Donc voilà, je m'en suis pris un. L'année dernière, je les ai déjà testés et franchement, ils sont plutôt bien. Le seul petit souci, un petit bémol, on va dire, il y a un plastique en fait au-dessus pour que le charbon prenne feu. C'est un peu, vous savez, comme les petits cubes blancs pour allumer le charbon. Et ben, ça a la même odeur et quand on cuit aussi nos aliments, donc voilà, ça, nos aliments aussi ont cette odeur un petit peu. C'est le seul point négatif, mais voilà, comme moi, j'ai pas de jardin, j'ai pas de balcon, je suis obligée de m'acheter ce genre de barbecue. Donc voilà, je me le suis prise, était en promotion, ils étaient, je crois, entre 1 euro et 2 euros. Voilà, en temps normal, je crois qu'ils sont à 2 euros, 1,50 € si je dis pas de bêtises. Mais voilà, ça c'est top, vous pouvez l'utiliser vraiment partout et après le jeter dans une poubelle. Voilà. C'est en aluminium, donc ça risque pas de prendre feu et ça dure assez longtemps. Voilà, on a généralement quand nous on fait un petit barbecue, on prend beaucoup de viande, beaucoup de saucisses, enfin voilà. Et on cuit pas mal de temps aussi. Donc voilà, moi je trouve qu'il est assez pratique et qu'il a une durée assez longue pour un barbecue jetable. Donc voilà, ça c'était une affaire aussi. Même quand ils sont pas en promotion, c'est aussi une affaire parce qu'ils sont pas chers. Mais voilà, là ils étaient en promotion, donc tout le monde les a achetés. Il y en avait plus, sinon moi je voulais m'en acheter au moins 4-5 pour éviter d'en manquer pour cet été quoi. Donc voilà, je vais peut-être vous faire voir en vidéo ce que ça donne. Voilà, je sais pas si je vais l'intégrer à cette vidéo, si j'ai le temps, comme c'est demain et si ce soir on fait le barbecue, j'aurai le temps, mais si ça sera plus tard, je pourrai pas vous le faire voir. Donc voilà, dernier petit kiff, voilà, j'avais faim juste avant de partir, je me suis pris des petits princes. Voilà, ils sont très bons, c'est de la même marque, enfin c'est de la bonne marque, hein, petits princes. Moi, c'est des petits gâteaux que j'adore manger. Voilà, et ça c'était 60 centimes. C'est pourquoi je me suis pas privée. Là, j'avais un petit creux, je me suis pris ça. Donc pour Action, c'est fini. On va continuer avec nos. Et là aussi, j'ai encore pas mal de tueries. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à liker, comme je vous dis. Ça me ferait super plaisir. Donc c'est parti, on va commencer avec nos en scrap. En scrap, il n'y a rien du tout chez nos. Si, il y a juste un petit truc. En fait, j'ai trouvé, donc c'est un petit tapis de piquage pour le feutre. Donc ça, c'est vraiment top. Comme j'ai déjà la feutrine, mais j'avais pas le petit tapis. Même ça, vous pouvez le réutiliser pour faire d'autres trucs. 1,50 €. Voilà, ça valait le coup aussi. Et comme j'en avais besoin, voilà, je pouvais pas le laisser. Généralement, ça coûte beaucoup plus cher. Pour ma fille qui est en CP, je lui ai pris un tag crayon de la marque Studio Pet. Donc il est très joli. Voilà, c'est un petit bulldog français. En plus, elle aime bien ces chiens-là. Donc voilà, c'est plutôt cool. Je sais pas si vous allez bien le voir parce qu'il est trop chou. Je ne l'ai pas payé très cher. Voilà, 59 centimes. Il y avait beaucoup d'arrivages de ce style-là. En plus, il est trop mignon parce qu'il est en forme de cœur. Voilà. Et mon petit bulldog, il est trop chou. Voilà. Donc 59 centimes, comme elle en avait besoin et qu'elle avait cassé le sien, je lui ai pris. J'ai rien trouvé en scrap, donc là vous allez plus voir quelques petits trucs pour mes filles. Je leur ai pris une petite activité de killing, voilà, pour créer des petits dinosaures. Ils sont vraiment trop fun. Vous aviez différents modèles, je vous ai fait voir que les modèles que je n'avais pas achetés. Donc voilà, là c'était la petite surprise. Je l'ai payé 1 euro, donc ça vaut vraiment le coup aussi. Et puis voilà, elles sont vraiment trop contentes de pouvoir faire aussi quelques activités comme moi. Donc voilà, pour 1 euro, je leur fais plaisir. Il y avait beaucoup d'arrivages aussi de bijoux. Voilà, vous aviez pas mal de bijoux, je vous avais déjà fait voir en vlog, mais il y avait encore plein de restes que je ne vous avais pas fait voir. Donc ils étaient presque tous à 50 centimes.
Voilà, donc ça c'était vraiment le kiff total. J'ai pu me faire plaisir, mais grave. Donc là, j'ai pris cette paire de boucles d'oreilles pour 50 centimes. Comme je vous le dis, je les remets bien. Voilà, elles sont vraiment très jolies. En plastique. Voilà, plastique brillant. Très joli. Ça fait comme des petites créoles. Après, j'ai pris le même modèle, mais en maxi. Voilà, j'avais envie. Elles sont noires et voilà, c'est la couleur que j'adore. Et donc, j'ai pris celles-ci aussi. Elles sont magnifiques. Je kiffe littéralement. Donc, ça aussi, hein, 50 centimes. Voilà, ils sont bien cachés. Ils étaient parmi tous les bracelets et tous les colliers. Et voilà, je ne les avais pas forcément vus. Ils étaient dans des grands sachets. Je vous fais voir quand même le prix pour que vous me croyez quand même. Voilà, 50 centimes. Là, j'ai pris aussi des belles boucles d'oreilles en couleur or avec une cascade de feuilles. Voilà, elles sont magnifiques. Je sais pas si vous allez bien la voir. Hein. Il veut pas. Voilà, je les trouve trop belles. Ça aussi pour 50 centimes. Elles étaient bien cachées. Franchement, je suis trop contente. Après, j'ai pris donc ces triangles. Voilà. Ils sont franchement très jolis. Et le métal est ondulé. Donc voilà. Pour 50 centimes, je suis trop contente vraiment. J'arrête pas de le dire, mais c'est vraiment le mot. Donc là aussi, j'ai pris ce modèle-ci. Alors moi, je les voyais pas comme ça. En fait, ça, je pensais que c'était l'arrière et pas du tout. Voilà, moi, j'aurais préféré que ça soit tout de la même couleur. Parce qu'avec ces petits points, ils sont un peu bizarres. Mais peut-être que je peux inverser ça. Parce que comme il y a un petit anneau là, je peux peut-être l'enlever et inverser. Donc voilà, elles sont franchement très jolies aussi. Voilà, pour 50 centimes. Ok, elles sont belles aussi comme ça. Hein. Je dis pas le contraire, mais je les avais achetées pour cette partie. Voilà, comme ça. Moi, j'aimais bien. Même si ça faisait un effet or un peu abîmé, j'aimais bien cet effet. Et celle-là aussi, c'est mes préférées. Voilà, cette paire de boucles d'oreilles. Elle est splendide. Moi j'adore. J'ai hâte de tous les mettre. J'espère que je serai pas trop allergique. Il va falloir que je fasse quelques petites pauses le temps que je les mette et tout. Et là aussi j'ai pris une boucle d'oreille qui fait un effet comme si j'avais plusieurs boucles d'oreilles aussi. Voilà, je les trouve très jolies. Voilà, elle est trop jolie. Moi j'adore. C'est tout ce que j'aime. Les petits nœuds, la perle, la petite strass. Donc voilà. Là vous en aviez une autre aussi. Pour mettre en haut, mais moi personnellement j'ai pas de piercing ici, même si j'adore et je trouve ça très joli. Peut-être qu'un jour je me le ferai. Voilà, mais pour l'instant c'est pas prévu. Donc voilà, ça pour 50 centimes. Ça aussi, je pense que les bijoux c'est tout, mais la dernière fois j'avais oublié de vous les faire voir ceux que j'avais acheté. J'avais complètement oublié, ils étaient enfouis sous une tonne de livres et tous les blocs. Je m'étais pris aussi ce modèle-ci en gris. Voilà. Celui-là, il était à 99 centimes. Ce collier aussi, très joli, à 99 centimes. Il est magnifique. Ouais, j'adore. Ça fait un beau pendentif avec une petite clé, un petit diamant. Je trouve magnifique pour 1 €, ça vaut vraiment le coup. Et dernier petit truc, j'avais trouvé un petit cœur. Voilà, un petit cœur rouge, trop mimi. Ça aussi, 99 centimes. Je sais pas si je vais le garder ou si je vais le donner à mes filles. Ah oui, et j'ai oublié de vous faire voir, j'ai dernier petit bracelet, 99 centimes, oui. Un beau petit bracelet kaki avec des petites perles. En plus, il est tout petit. Donc, je pense que ça pourrait m'aller au niveau du poignet. Voilà, il est franchement magnifique. La petite clochette. Franchement, moi, j'adore.
Donc là, pour les bijoux, on est ok, il me reste plus rien. Après, donc j'ai kiffé en fait sur une douille, on va dire, pour des lampes. J'avais envie de créer aussi quelques lampes. Je ne sais pas si ça va être possible, parce que je suis pas très douée niveau électricité, hein, quand même. Donc voilà, mais j'avais envie de tester parce que ça faisait plusieurs années que j'avais trop envie d'en faire et j'avais jamais l'occasion. Voilà. Là, c'est fait, j'ai pu trouver une douille à 50 centimes. Vous en aviez plusieurs, enfin, vous en aviez des tonnes là-bas. Et voilà, moi, j'en ai pris que deux. Peut-être j'irai m'en rechercher d'autres. Après aussi, pour mes filles, je leur ai acheté un petit guide de recettes. Voilà, en plus, il est bien parce qu'il est en plastique. Donc, ça évite d'abîmer et surtout de salir les pages, en fait. Donc, il y a plein de recettes, des cakes. Enfin, vraiment des trucs que j'ai envie de faire et que je connais pas forcément les recettes par cœur. Donc voilà, vous avez pas mal de trucs très sympas. Un cake, ils disent. Une tartiflette, bon, ça je sais le faire. Des gougères, alors ça je ne connais pas du tout. On dirait un peu des chouquettes. Donc voilà, ils disent des gougères et après un cheesecake. Voilà, plein de trucs très sympas. Des petits sablés. Ça, j'en avais déjà fait, mais je connais plus trop la recette. Donc voilà, ça c'était top. C'est de la collection Milan et je l'ai payé 99 centimes. Donc ça vaut le coup et ça fera super plaisir à mes filles, vu qu'elles me demandent souvent de cuisiner avec moi et que voilà, j'ai pas forcément de recettes spécialisées pour elles, des trucs très simples et qui sont pas dangereux non plus. Donc ça va être top. Après, donc là, ça va plus être tout ce qui est beauté et mode, que ce soit pour moi ou pour mes filles. Là, donc là, j'ai craqué sur ces petites tongs trop choues, 3,99 €. Donc franchement, pour des tongs, ça vaut pas cher. Et en plus, elles sont trop stylées parce que vous avez la bordure, vous voyez, qui est en dentelle. Et franchement, elle est magnifique. Enfin, moi, j'adore ces petites tongs. Même ma fille les kiffe déjà, donc voilà. Après, je leur ai acheté aussi quelques petits jouets. Je sais pas trop c'est de quelle collection, mais c'est un dessin animé qui est fait avec de la pâte à modeler, je crois. Donc il y avait plein de petits personnages comme ceci et je l'ai payé à 50 centimes. Donc voilà, je l'ai pris. C'est un petit mouton, puis il a toutes les extrémités qui bougent. Donc ça, c'est plutôt top. 50 centimes. J'ai pris le cochon, voilà, que vous avez pu voir dans mon vlog. J'ai pris le renard. Aussi le renard, voilà, et le chat comme ceci, voilà, ils sont trop mignons pour 2 euros. Voilà, il y a quatre petits personnages, elles sont trop contentes. Ça aussi, je vais vite leur donner. Donc, vous avez pu voir que j'avais fouillé dans le bac à foulard, et évidemment, je me suis trouvé un foulard couleur bordeaux. Voilà, il était à 1,75 €. Donc ça vaut aussi le coup. C'est pas écrit la marque, malheureusement. Mais voilà, franchement, c'est une bonne qualité. Il faut juste que je la repasse parce qu'elle est super froissée. J'ai pris aussi un petit foulard pour ma fille. Voilà, il est magnifique avec des étoiles et avec un peu de foil, on va dire. Donc voilà. Petites étoiles filantes, pareil, au même prix, 1,75 €. Elle était trop contente là aussi. Pour mes filles encore, parce que autant le faire. Voilà. Enfin, j'ai trouvé, parce que là, c'est qu'une petite taille. Enfin, c'était le seul maillot de bain. Et j'ai trouvé que cette taille-là, il restait que du 6 ans. Donc, pour ma plus grande, qui fait une petite taille entre 5 et 6 ans, ça lui va parfaitement, il est trop chou. Moi, j'adore les couleurs avec des petits liens jaunes ici. Et vous avez même des petits coussinets à l'intérieur pour faire semblant d'avoir des nénés. Et enfin voilà, elle kiffe littéralement. Donc c'est un bandeau et j'ai réussi à trouver le bas. Donc ça, c'est plutôt top aussi. Voilà. Le petit bas avec les deux rappels de jaune, de bout de tissu. Et voilà. Donc ça va être super. Je ne les ai pas payés très cher. Ça, le total, je l'ai payé 2,99 €. Donc ça aussi, ça vaut le coup. Je suis trop contente. J'ai pas besoin de lui acheter déjà un maillot de bain. Ça, c'est fait. Après, pour moi aussi, je me suis pris un petit maillot de bain. Il est magnifique aussi. Voilà, donc ça fait un bandeau au niveau du haut. Il est en blanc. Mais il est franchement très joli. Vous aviez plusieurs arrivages de maillots de bain là en ce moment. Et donc le bas aussi qui est
pareil. Voilà, en blanc. Et vous avez des petits liens à déclipser ici. Voilà. Donc, au niveau de la culotte, c'est pas terrible. Mais au niveau du haut, voilà, c'est un peu galère. Mais voilà, il était franchement trop beau. Je voulais pas le laisser. Il était à 2,99€. Donc, voilà, ça valait le coup. Après, je me suis dit que si la culotte était peut-être trop transparente, je me suis trouvé aussi un bas noir que je pourrais mettre aussi avec mon précédent haut Tripone, je crois, la marque du maillot de bain. Il était très joli en blanc et violet, je ne sais pas si vous en rappelez. Mais voilà, je me dis qu'avec ce haut, ce bas-là, il sera super aussi. Du noir, de toute façon, ça passe avec tout. Et voilà, et celui-là, je ne l'ai pas payé cher, 1€. Donc voilà, comment vous dire, j'allais pas le laisser, il m'en fallait un. Je vous en avais déjà parlé. Donc voilà, comme je l'ai trouvé, je l'ai acheté, je me suis fait plaisir. Et après, donc côté sac à main, là j'ai pas acheté de fringues vraiment, plus des maillots de bain et tout, donc aujourd'hui il n'y aura pas d'essayage, comme d'habitude quoi. Et là je me suis pris un superbe sac en velvet, trop beau, en kaki, voilà. J'ai kiffé, il n'était pas très cher, à 9,99€. Donc voilà, j'ai pris ce modèle-ci avec des petites lanières, voilà, en effet bimatière, cuir et velvet et bicouleur aussi, marron et kaki. Il est franchement magnifique. Voilà, je l'adore. Vous avez des petites poches ici. C'est de la marque Curious Piel. Donc je pense que c'est une marque espagnole. Et franchement, il est super beau. Et évidemment, comme il y en avait deux, eh bien, j'ai pris l'autre modèle aussi en kaki. Il est magnifique. J'aurais dû vous mettre quelque chose à l'intérieur pour qu'il soit un peu plus gonflé. Attendez, je vais faire ça. Donc l'intérieur, il est kaki aussi. Il est franchement super beau. Voilà. Et je vais essayer de mettre des trucs. Ça. On va le gonfler un peu. Donc voilà, un petit sac très joli à tenir à la main. Je pense qu'il doit y avoir une deuxième anse, il faut que je regarde. Donc voilà, un petit sac kaki. Là, je pense que c'était l'arrière. Et voilà. Moi, j'adore. Donc pareil, au même prix, 9,99€. Je suis trop contente de les avoir trouvés. Ils sont magnifiques. Enfin, vous connaissez mon amour pour la couleur kaki. Voilà, j'ai pas su résister. J'ai longuement hésité quand même parce qu'il y avait d'autres sacs qui me plaisaient. Mais voilà, j'ai préféré les kakis. C'est une couleur voilà, que j'ai envie de mettre pour cet été et cet hiver. Donc voilà, je pense que là c'est tout. Voilà, j'espère que ce haul vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Likez cette vidéo, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire. Si vous avez des questions, je répondrai dès que je peux. Voilà, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous dis à très bientôt.